Je pense que vous avez toujours voulu voir les backstage de Teddy. Donc derrière, les amis, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo. On avait fait son instant pub, mais c'est pas grave. Et nous nous retrouvons pour une vidéo spéciale festivité du Nouvel An chinois. Je suis au temple chinois. Et de l'autre côté, il y a Teddy, les backstage de Teddy Jangté. Ah ouais. Donc c'est parti, en vidéo, les festivités du Nouvel An chinois. Alors je vous prépare un magnifique show, un mélange de taekwondo, d'arts martiaux, de tricking, d'acrobatie, de danse thaïsienne aussi également. Et donc le principal c'est qu'on s'amuse tous. Mais là je suis assez confiant parce qu'il y a une belle énergie autour de tous ces jeunes là et chacun est prêt pour montrer ses talents. Comme d'habitude, des surprises, du taekwondo, de la danse. Et ce sera top. Bah c'est un peu en regardant les vidéos et tout, genre les mecs c'était carrément stylé ce qu'ils faisaient, du coup bah je me suis dit pourquoi pas faire pareil quoi. Là on est au temple chinois et nous sommes en train de faire la préparation de la scène avec le magnifique tapis rouge juste là et les bambous également, décoration. Alors moi c'est Veiti, hein. Je suis un taekwondoiste. Artiste taekwondoiste. Ouais. Ah oui, on se performe tous les mains. Pas trop stressé? Non, je sais même pas que ça lui dit stressé. Ouais, c'est de l'adrénaline, c'est ça? Ouais, c'est ça. Comment ça se passe les répétitions? Bah, ça va, c'est facile. On apprend très vite. Demain, le grand jour? Ouais. Pas trop stressé? Non, ça va. On va faire, on va montrer notre talent à tout le monde. Alors Elisabeth, qu'est-ce que tu nous prépares pour les festivités du Nouvel An chinois? Les festivités du Nouvel An chinois. Alors, je vous prépare des chants. Et nous nous retrouvons pour le jour J. Donc là, il est 5h40 du matin. Morgane est en train de se faire maquiller dans une résidence où Haitin elle habite. Hein. Gros big up à elle. Donc après, Morgane se fait coiffer. Et ensuite, direction le temple chinois pour les festivités du Nouvel An chinois. Je vous montre tout ça en vidéo. Et voilà, séance de maquillage terminée, on va aller chez la coiffeuse. Donc gros big up à ta maquilleuse, comment elle s'appelle? Vaiana Makeup. Vaiana Makeup, voilà, si tu vois, regarde la vidéo. Gros big up. Ça y est, on est au temple chinois. Bon, je vous avoue, c'était un peu le rush ce matin. Donc là, je viens d'arriver, j'ai déposé Morgane. Je suis parti me garer. Et nous sommes au temple chinois. Donc je suis passé par derrière. Allez, c'est parti, on va voir la team. Thank you.
avec Teddy et Kylian. Voilà. Une petite rencontre abonnée entre nous. Pouce bleu pour Evena et ses chips. Alors c'était comment le show? Ah ça c'était super. Super. Et c'était comment le show? C'était super. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur la journée culturelle au Temple Kanti. Je devais parler. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur la journée culturelle au Temple Kanti, qui est une journée très importante dans la communauté chinoise. Et je vous dis soyou soon pour une nouvelle vidéo.